Depuis le début de l'année, la ville de Vaudreuil-Dorion a dû abattre des milliers d'arbres sur son territoire, notamment causés par la grille du frêne. C'est sur la télé à rencontrer le contremaître responsable sur l'un des chantiers à la maison Félix Leclerc. Évidemment, ça nous fait un petit pincement de savoir que tous ces arbres sont abattus. Oui. Mais il y a une raison. Absolument. La grille du frêne, hein, qui est en cause dans, pour l'abattage de tous ces arbres-là ici dans les boisés. Le boisé environnant de la maison Félix Leclerc et la majorité des boisés de Vaudreuil-Dorion. On a-tu abattu d'autres arbres? Non. Là, on abat les frênes qui sont attaqués par la grille. Tout le restant des arbres indigènes, en niche écologique, on les laisse debout. En fait, ça fait 4 ans qu'on abat en masse, là. J'abats entre 60 à 200 frênes par année, là, dépendant. Depuis 2 ans, on a mis l'accélérateur vraiment pour pouvoir prendre l'avance sur la plantation. Ici, sur le boisé qui fait le tour de la maison Félix Leclerc, il y a le ruisseau Denis Vinet. C'est un couloir écologique et faunique assez important, là. On va retrouver des coyotes, des dindons, un paquet de petits animaux qui viennent s'abreuver puis se nourrir dans le coin. Donc, nous, on trouvait ça important vraiment de redonner vie à ce boisé-là. Nous, on récupère les fûts, donc les beaux bouts de frêne, puis on veut le revitaliser. Donc, depuis 2 ans, on fait appel à une scierie externe. Ils viennent couper. On fait du bois d'ébénisterie avec ça, puis on récupère toutes sortes de grandeurs, toutes sortes de diamètres et de calibrations dans notre bois. Et on leur passe après ça pour faire des bancs de parc, des caches-toilettes, un paquet de projets à travers la ville, des clôtures naturalisées. Combien d'arbres ont été abattus? On a abattu à peu près 110 frênes, grosso modo, de tout calibre, là, des matures autant que des plus petits. Là. Notre plan, nous, c'est de probablement tripler cette quantité-là à la plantation. Sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion, cette année, on va replanter 10 000 arbres, toutes grosseurs et espèces confondues. Quelles essences vont être replantées principalement ici sur le terrain à la maison Félix? Nous, on vise des espèces indigènes. Donc, les érables à sucre, les érables rouges. On va planter aussi quelques conifères bouleaux jaunes, des carriers, carriers ovales, carriers à gros glands, des noyers cendrés qui poussent très, très bien dans la région aussi. Des amélanchiers qui vont faire une floraison, une baie que les oiseaux vont venir manger. Donc, je vous dirais entre 20 et 25 espèces totales, là, grosso modo.